L'évangile d'aujourd'hui est une confrontation de Jésus avec les pharisiens. La tension monte. Ce sera bientôt son arrestation, le procès de Jésus, sa condamnation sur la croix. C'est bien la reconnaissance de Jésus comme le Messie qui est là au cœur des discussions. Toutes les Écritures pour Jésus arrive à ce moment-là, annonce ce moment, annonce sa venue. Pourtant, les spécialistes de cette écriture ne le reconnaissent pas. Ils sont incapables d'accepter cette nouveauté. Ainsi, ça nous interroge. La véritable question, et qui est Jésus aussi bien pour ses contemporains que pour nous aujourd'hui? Ne croyons-nous pas tout savoir? Ne croyons-nous pas tout connaître? Sommes-nous ouverts à quelque chose de nouveau à propos de Jésus? C'est seulement si nous sommes capables d'avoir le cœur ouvert à une nouveauté que nous serons capables de reconnaître la résurrection de Jésus le jour de Pâques comme une bonne nouvelle, comme quelque chose de nouveau qui transforme nos vies. C'est bien cette espérance qui, en ces temps troublés d'épidémie, peut nous permettre d'avancer et de témoigner de la vie plus forte que la mort.